Et salut tout le monde, ici Mathéo Test pour la dernière vidéo du Let's Play sur New Super Luigi U en compagnie toujours de Yoshi Pro. Ouais. Salut à toi, la compagnie. Et aujourd'hui il joue Carotin. Voilà. Pour essayer, même si il ne peut prendre aucun objet, aucun pouvoir. Donc là, on va affronter ce grand bateau. Gros Bowser. Bon, je pense pas que ce soit tout de suite Bowser, hein, ce serait abusé. Ce serait très nul. En tout cas, il a un bon gros bras magnétique qui fait peur. Donc c'est parti, duel contre Bowser Junior. Donc je vous préviens tout de suite, c'est la première fois que j'utilise Carotin. C'est trop stylé. Ouais, c'est classe. Bizarrement, t'as le même... Oula, oula, quel est le fuck. T'as le même foulard que Bowser Junior. On l'avait déjà dit dans... Ouais, c'est bizarre. On l'avait déjà dit dans le premier épisode. Bon, bah, premier niveau assez fail, hein. Là, c'est même plus fail, c'est plus pire. Ouais. Trop cool ce niveau. C'est trop stylé à Carotin, fleur de feu ou un truc comme ça. Bon, bah, je me prends un mini champi pour ma part, hein. Et toi, tu ne peux pas. Voilà. Malheureusement, parce que tu n'as aucun pouvoir. Bobo. Si tu veux changer de personnage en cours de let's play, en cours d'épisode, tu le dis. Ouais. Parce que moi, franchement, je suis pas vraiment fan. Sinon, non. Je t'ai fait ça, si, mais putain. Oh non, je suis deg. Mon petit objet mignon qui est déjà mort. Trop mignon. Voilà, du coup j'ai grandi. Bizarrement, je suis mort mais j'ai grandi. Alors, Carotin vient de décider de la mort. La jeune pièce. Jeune pièce? Pourquoi la jeune ta pièce? Aidez-moi, je sais pas. Oh non, j'allais avoir un petit truc qui vole. Je suis malheureux. Vite, on s'en remonte. Putain, il fait des feintes. Il est intelligent. Bonjour, je m'appelle Carotin. Je peux te libérer, t'es un méchant. Oui, je suis gentil. D'accord. Bah vite, cours quand même. Hop là. Au revoir. Voilà. Donc là, on va aller affronter Bowser Junior. C'est parti. Ok, quelques instants après la pub. Oh merde, je suis pas. Dis là-haut. Oh, tu t'es pas pris la bombe. Donc toi t'es invulnérable. Donc Carotin ne peut pas prendre le pouvoir, mais il est totalement invulnérable aux ennemis. C'est cool. Moi je me prends pas les boulets de canon. Bah non, t'es totalement invulnérable. C'est trop stylé ça. Plutôt facile. En gros c'est un personnage aide pour les gros nuls quoi. Donc tu as bien fait de l'utiliser. Nous rencontrons donc Bowser Junior, donc ça peut pas être toi puisque bah en tout cas t'as le même foulard, mais ça peut pas être toi puisque là il l'a aussi. Ouais, vu que je m'appelle Carotin, je carotte tout et tout le monde. Ça c'était pas obligé par contre. Par exemple. Pourquoi il casse ce putain de mur? T'es mort alors que t'es censé être invulnérable. Invulnérable quand t'es trop non plus. Ah, t'es tombé dans le trou? Oui. Ah, je crois que tu t'es fait buter. En tout cas, je peux même pas t'attraper, regarde, je peux rien faire sur toi. Et ouais. Tu peux même... Ah ouais, d'accord, t'es carrément au plan extérieur. On peut même pas t'attraper. Ouais. Oh, je suis... Genre, il me touche, mais en fait, je rétrécis pas, je sais pas. Ouais, mais en fait, c'est un personnage aide pour les faibles. Je vais te dire, c'est plutôt cool pour toi. Ouais. Tu vas moins galérer à ce niveau. Ouais. Sinon, je rigole, hein. Merci. 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 Ok, au revoir. Eh oui. Allez vite, il tue dessus. Allez vite. Non, je savais pas qu'on pouvait le monter. Ok, plus qu'un coup à le mettre. Oui. Hop là. Ah d'accord, dès que les bombes explosent, ça fait aussi des fissures sur les petits bonheurs généraux. Ah mince. Saute. Oui, sur la tête. Meurs pas. Ouais. Non, je peux pas. Attends, tu arrives quand même. Vas-y. Ouais. Voilà, maintenant tu peux mourir quand tu veux. Voilà. Et voilà. C'est la fin de notre cher ami Bowser Junior. Oui. Oula. Bonjour. Oula, qu'est-ce qui se passe là? On arrive. Serait-ce une suite? Oh. Pas très certainement, puisqu'il est encore là. J'espère qu'on en a aussi. Ok, là on peut pas bouger, c'est normal. Je sais pas. Ok, donc c'était une cinématique. On est un peu con. Mais là, ne vous inquiétez pas, c'est juste nos manettes qui bug à mort. Et le téléphone de Yoshi Pro qui vient de vibrer. Mais bon, tout va bien. Ouais, tout va bien.
Lancer le téléphone. Nickel. Réussi. C'est parti. On va donc au château de Peach, le dernier niveau du... Ah ouais, carrément. Carrément. Cool. Ok, on l'a littéralement détruit. Voilà. Tais-toi, laisse-moi tranquille. Tu fous pas de moi comme ça, toi. Je m'appelle Karota, ok. C'est ça. Ma clé de défense ultime, je m'appelle Karota. Il est toujours malin, lui, mais on va lui éclater sa tête. Un jour ou l'autre. Envie de le taper. Donc voilà, on arrive dans le grand nuage fourbe. Qui n'est autre que le petit château de la princesse. Enfin, on retourne chez nous. Eh ouais. On a fait un long voyage, mais on y est enfin. C'est parti. Enfin, toi, non, tu viens juste de débarquer avec ton petit sac là. Ouais. T'en bats les couilles. Donc, en tout cas, c'est le même décor que sur le Super Mario. Bah, Bros. You. Donc là, on voit Peach et Bowser Jr. La petite animation là, c'est sympa. Ah, Luigi. Bon bah on va aller la sauver hein. C'est quoi ce tuyau là? Ça c'est les tuyaux intermondes. C'est pour Ah oui, d'accord. Se faire injecter dans les mondes. C'est parti, donc là il y a le château derrière. Non, cherche pas à voir le champi. Tu te prends même pas les laves quoi, c'est génial. T'as putain de super saiyan. Ouais, c'est très fou. Voilà. Par contre ça bon. Ça on va éviter quand même. En fait c'est comme je suis comme une étoile en fait. Ouais voilà c'est pareil. C'est exactement pareil. Bien. Douve ardente. C'est parti. Ok. Alors. Ouais. Beaucoup de tortues. Mais on est trop con. Ouais. Pourquoi on a sauté quoi? Je sais pas. Ah, premier crédit pour Carotin. Ok. Ok. Bizarrement, ce niveau nous pose beaucoup plus de problèmes que prévu, j'ai envie de te dire. Ouais. Puisque le niveau de... Enfin, le monde d'avant, on avait trop géré. C'est parti. Toi, t'es un enculé, toi. T'as même pas besoin d'objets, toi, tu me les prends comme ah, ça. Ah, c'était joli. Mais non, c'était pas joli. Hein. Oh. Ça aussi. Bon, les couilles, les coups, hein. Tu meurs, je te tape, je te promets. D'accord. Et t'as cru, hein. Ah non, c'est toi qui as flippé parce que t'as failli mourir. Ah, c'est écrit. Ouais. Pareil. Ah oui, c'est vrai. Ah. Donc là, le Yoshi Pro est en train de gérer. Parce que là, je suis actuellement en train de rager. Parce que ma première champi, il m'a fait tuer. Je rage actuellement de l'intérieur. Voilà, tout à fait. Bon, on peut plutôt dire que t'as géré ce niveau. Alors, voilà. Je te félicite. Merci beaucoup. Tu obtiens le titre de PGM niveau novice. D'accord, niveau merde. Bien joué. En plus, je te donne des objets. Oh, c'est plutôt cool ça. Grave. En fait, t'es devenu gentil. Comme voilà, ça, tu sors des objets de ton sac. Voilà. Tu pouvais pas nous les donner avant. Bah non, parce que j'ai pas envie. D'accord, oui, pas de problème. Du coup, tu nous as vraiment donné. Non, ok, c'est mal couille. Bim. Je crois que c'était des vies en fait. Croisière magma. Ouais, je crois aussi. Bon, on va attendre de voir ce que c'est. Croisière magma, donc on va sûrement se déplacer sur un objet bougeant. Très chiant, je suppose. Ok. Ah non, c'est des nuages en fait. Ah, j'ai horreur de cette plateforme, je vous le dis direct. J'ai horreur de cette plateforme. On peut être que 5 maximum dessus, c'est affreux, surtout quand on est deux. Déjà, ça nous bouffe de la place. Bon, il y a Carotte Molta qui est avec nous. En fait, moi ça me tape, mais en fait, je me branle. Ouais, grave. Vas-y, bute par contre les ennemis, hein, parce que si on est trop, ça va plus avancer, on se fera craindre. Merde, j'ai un mini Goomba sur moi. Donc là, si vous pensez que. Yoshi Pro est un PGM de la vie. Bah oui, c'est absolument. C'est juste qu'il a Carota. Du coup, il se prend aucun ennemi. Et moi, je me prends tout, parce que déjà, j'ai tout à faire hein, depuis le début. Et bon, il est vrai que. Du coup, c'est tout boulot. Ouais, bah non, vu que je suis tout boulot, regarde, depuis tout à l'heure, j'ai mis. Normal, moi, je meurs parce que t'aurais pris Todd, je pense que tu serais autant mort que moi. Voilà. C'est pas juste pour vous prévenir hein, que c'est pas devenu un PGM d'un niveau à l'autre. Hein. Bah si. Ok. Donc, si tu veux faire croire ça aux gens, y'a pas de problème. Donc croyez-le, hein, ça lui ferait du bien. Hop là. Ce niveau était plutôt rapide. Oui, bah, je trouve qu'on gère assez finalement. C'était ouais. Juste pour nous mettre en jambe pour l'épisode. Enfin, ah ouais, c'est ça, je donne des vies. T'as vu? Il y a le putain de château géant derrière, c'est trop classe. Et là, on s'approche de plus en plus de l'antre de Bowser. Enfin, on n'a pas encore vu Bowser du jeu d'ailleurs. Rouage volcanique. C'est parti. Let's go. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Oula, oh bien joué. J'ai même pas eu. C'est parti. Alors, hop là.
que voilà, Yoshi Pro avait envie de, pour cet épisode, de se de réaugmenter son niveau de PGM attitude. C'est pour ça qu'il a pris un personnage plutôt relatif. Non, c'est faux, en fait il voulait tester Carotin. Et moi-même je ne savais pas qu'il avait ses propriétés de ne pas prendre d'objets, si ça je le savais. Mais je ne savais pas que qu'il pouvait être résistant à tout en fait. Vas-y, va chercher la pièce du coup. Chérie, tu gères. En fait, on aurait dû le prendre pour tous les niveaux, absolument. Comment vous faites pour passer quand on est pas comme ça? Bah, je sais pas, faut attendre la lave quand elle tombe, je sais pas du tout. Donc voilà. Bon, putain, j'ai oublié de sauter. En fait, j'ai sauté, mais. Le seul truc qu'il faut pas oublier dans Mario, c'est sauter. Hop là. Genre, je suis Carotin bleu. J'aurais pu te donner des vies, mais tu m'as fait entendre. Bah, j'ai pas trop le temps là, tu vois. Encore. Donc là, on va faire notre entrée dans le château. Et il restera plus que ce niveau, juste là. Donc un monde très très court. Hein. Bon, bah avant dernier niveau, avant la fin du let's play totalement. Voilà. Notre premier let's play sur la chaîne. Voilà. En espérant qu'il vous aura plu. Hein. Voilà. Mais on va attendre de finir. Donc là, on est vraiment vraiment pour de vrai dans le château cette fois. Avec un bon gros niveau bien lourd. Ça fait plaisir. Il est nouveau chez nous, mais il y avait lave. Je suis électrocuté, mais en fait, ça me fait rien. Ah, trop classe. Le gars s'en bat strictement les couilles. Ah, c'est la lave qui monte en fait. Ok. La lave monte. Ouais. Il faut se couler quand même là. Ouais. Tu veux pas te suicider? Ou moi d'ailleurs, parce qu'il y a aucune raison que tu sautes autour. Non, la lave ne monte absolument pas. Tu dis que t'es grosse conneries. Pourquoi ça descend? Parce qu'il y a une bombe. Voilà, on est mort. Au revoir. C'est pas en bois pour que ça descende. Parce qu'il y a une bombe. Ah, dès qu'il y a une bombe, ça fait descendre. Non, dès qu'il y a un objet de plus que nous. Ah. Donc moi je vais prendre une fleur de feu parce que j'en bats les couilles de la vie et que c'est la fin du display donc on peut gaspiller nos objets. Enfin toi non, du coup, parce que bon, voilà. Ouais. C'est parti. Ça aurait été stylé quand même. Merde, je crois que là il y avait des. Ah non, ça va, c'était des champignons. Ok, donc c'est parti. Regarde, je fais les tranquillités. Vas-y, on prend, vas-y, prends la pièce. Ah. Elle est bizarre ta voix, je trouve. Voilà, ouais. Un peu particulière. Ouais. Ok. Ok. Ah non, je t'enfume. Non, je ok, bro. Tu peux pas te sauter et te mettre en bulle pour aller chercher la pièce. Attends. Allez, go. Bien joué. T'as juste exceptionnellement mal visé. Attends, allez. Vas-y. Deuxième essai. Voilà. Vite, la fin. Là, je vais le plus vite possible que je peux. Attends. Je choisis ici. Oh, yeah. Tiens, c'est... ça t'apprendra. D'accord. C'est toi qui. Ça t'apprendra. Ok, donc là, lave monte par contre. Fleur de glace ou pas? Fleur de glace? Bon, bah écoute. Mais vite! T'as pas coup, toi? Là, c'est stressant là. Putain, bute là. Dégage! Putain, mais il est chaud. C'est le stress total. J'espère un peu. Vite! Non mais ça avance pas là. Vite. Quand même la lave monte là. Hein. Ouais, oh la vache. Genre t'es putain. C'est ouf quand même. Bon, bah on recommence. Ça va, c'est pas aussi dur que ça, mais faut juste se dépêcher un peu plus. Donc bon. Voilà, c'est le dernier épisode. J'espère que ça va faire. On prend notre temps. Pas trop non plus. Ouais voilà. Allez go carotte. Comment? Moi je t'attends pas, je me prends le coup. Allez vas-y go, je prends cette putain de pièce. Merci carotte. Ouais. Ah si là la lave monte. Ouais. Oui c'est ce que je t'ai dit. Mais en fait je croyais qu'elle montait pas. Oh hashtag PGM de la mort. Donc là on a un gros dézoom qui fait du bien. Ouais. Bim. Plutôt cool, j'ai envie de te dire. Ouais. Bim. Mais. Oh putain, pourquoi je saute sur ta tête là? Putain, je crois qu'il y avait une plateforme là. Ta tête pleine d'oreilles. Comment? Non, rien. T'as un problème, c'est qu'on est hyper vite cette lave quoi. Vas-y. Ouais. Allez, go. Go, Power Ranger. Oh non, putain, c'est abusé. Mon gars, ça monte trop vite. Mon gars, j'ai même pas le temps. Mais what? Alors là par contre c'est vraiment chaud hein. Donc j'ai une idée. Tu vas t'occuper de la direction, je vais m'occuper du glaçage des bombes, ok? Ok.
qu'on s'organise comme ça parce que sinon ça va être chaud. D'ailleurs, voilà le titre de ce niveau chaud devant. Derrière votre écran, ça a l'air facile comme ça, mais quand vous y clair. Jouez. C'est clair. Ouais. Putain, connard. Vas-y, saute. Non, c'est bon, je peux gérer cette direction, on peut dire. Faut même faire le truc, tu sais. Ouais, c'est ton kiff. Ça arrive à tout le monde. Bien. Allez, grouillons-nous. Quoi, t'as plus de faire de glace là ? Ça sert à rien. Bah non, mais pour l'instant, oui. Ah bah non, j'en aurai peut-être pas du coup. Oh merde. Je me suis trop fait électrocuter en fait. Allez, go. Faut pas perdre de temps. Ah mais. En espérant que là, ça soit directement des fleurs de glace. Va taper dedans au pire. Non, toi t'es mort. Oh, nickel, 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 nickel. On va s'occuper de la direction. Ok, vas-y, go, direction. Putain, je suis allé beaucoup trop vite. T'es con. Vas-y. Bon, du coup, Vas-y, go, 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 fonce, fonce, fonce. Mais mec, mais qu'est-ce que, quoi, putain. Voilà, c'est bon, on a réussi. On aura un objet au moins à la fin. Voilà. Ok, ok, on est à la fin. Ok, c'était juste ça, la fin. Ok, c'est abusé, quoi. Putain, mais mec. Merde. Donc là, on est dans le gros tourbillon rouge. Oh, je suis fier de moi. C'était classe. Ouais, c'était pas du tout classe, c'était vraiment chiant. Eh bien, c'était l'avant-dernier niveau du Let's Play Super Luigi U. Donc, c'est parti, dernier épisode. Enfin, dernier niveau du dernier épisode. Voilà. C'est parti. Donc on arrive. Ah bah la fenêtre s'est refermée. Voilà. Et c'est parti les gens. Le combat final. Sauvegarder, bah. Sauvegarder. Bien sûr. Le combat final. Bah d'ailleurs c'est le nom du niveau, donc coïncidence. Ouais, peut-être bien. C'est parti. Je pense pas. C'est parti les gens, tenez-vous bien, c'est le combat final. Dans cette bulle. Donc là, on peut. Ça veut dire qu'on peut pas lui sauter sur la tête, il va juste falloir l'esquiver. Sa merde. J'ai trop de la chance. En fait. Ouais, je crois bien. Vite, go, allez. Ok, donc il fait tomber les plateformes en même temps. Putain, j'ai pas le temps de prendre des objets, quoi. C'est super chaud. Ah, petite pièce. Ah, nickel. Oh, oh, oh. Non, 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 non. Y'a rien par là. C'est abusé. Bien joué. En plus, il va direct dans la porte. Ouais. Ah, attends. Dans Super Mario Bros. You, là, il y a une porte quelque part de vie. Oh oui. Oh oui, nickel. La grande porte de Bowser, c'est parti. Ah, fleur de glace, bon, tant pis. Fleur de feu, c'est aussi bien. Ok. Voilà. On est chaud, c'est parti. C'est parti pour dernier le dernier épisode du Let's Play. J'espère que c'est pas le même, franchement. Que Super Mario Bros. U. Ah, là, c'est pareil, la même fonctionnalité que dans Super Mario Bros. Wii. Bah, dans tous les autres, en dehors. Je m'en fous. Grave. Allez, découvrons ensemble ce boss. Je crois que putain de carotte. Ah, je suis déçu, c'est encore Bowser. Ils auraient pu faire l'effort de mettre un Bowser squelette pour ce DLC. Alors, Si pas je fais là, je fais quoi. Ah non, tu te fais repousser quand même, faut pas abuser trop beaucoup. Go, vas-y, va appuyer. What? Salut. Moi je meurs aussi. Ah. Ah, genre tu meurs aussi. Ouais. Ah, c'est trop stylé. Mais j'arrive en but normalement. Et le grand vainqueur de ce jeu est la personne la moins attendue du jeu, c'est-à-dire cette personne. Bonjour. Le mec a rien à voir dans l'histoire, mais il a sauvé le jeu. Voilà. Il a sauvé la princesse. Gros con quoi. Le mec il me laisse même pas ma place. Donc là bah en fait c'est exactement le même que dans Mario Bros. U, donc je suis un peu déçu. Voilà, faut rester en douter, hein. Ça aurait été un bon gros Bowser squelette, j'aurais bien kiffé, franchement. Mais là je suis un petit peu déçu, c'est vrai. Parce que exactement la même fin, bon bah c'est pas super intéressant. Il y aurait eu ce détail en plus, je pense que ça aurait été un petit peu mieux. Mais bon, c'est juste un petit détail quoi. Et donc voilà, la princesse on est là. Voilà la princesse dans la tour. Et moi en mule. Je te viens par toi moi. C'est moi qui. Peach, on est là. Peach. Oh, Luigi. Huh? Luigi. Ouais, tu vois. Bah, en même temps, j'allais pas dire Mario, t'es un peu con, toi. Non, mais je. Là, je peux dire des trucs avant le premier. Carotte. Luigi, la but, toi. Donc là, voilà, bon, bah, c'est le géant Bowser, le mieux fait de tous les temps, d'ailleurs, mais c'est le même.
c'est pas si grave que ça, tu vois. Tu vois, je m'en fous, moi. Allez, salut. Oh merde. Le mec s'en bat les couilles. En fait, à chaque fois, je le tue, il rigole, ce con. Il le tue, il est bourré. Ça tape l'esquive. Oh, c'est bon. Allez, vas-y. Bruh, mets-lui un coup. La tête, bruh. Eh ben... Oh merde, j'avais pas vu ce PD, putain, mais t'es déjà en train de mourir. Non, toi tu vas pas les plus loin. Hop là, boum. Prends le steak. Non. Non, Bowser GG. Bah écoute. Mais non, mon gars. Aïe. C'est de l'abus. Hop là, je m'en fous. Vas-y, carotte. Ah putain, il est... C'est abusé, ça. Avant, ce Bowser est extrêmement bien fait graphiquement, mais c'est vraiment le même que dans le brossu. Ouais, Bowser, c'est la merde ce que tu fais là. Je crois que ça me fait quelque chose. Je sais pas, il est trop en train de pleurer intérieurement. Putain, mais lui, ça me fait rien, un gros coup là. Allez, à moi. Mais t'es un putain de bâtard. Ah, tu me laisses la finale, je m'en fous. Tu me laisseras la finale. T'es obligé. Ok. Ouais, je l'ai fait deux fois, je te laisse la finale. Bah oui, heureusement. Bon, tu m'as piqué ma place déjà là, j'accepte pas. Vas-y, Bowser, fais ce que tu veux, je m'en rends totalement sur ce que tu fais, Bowser. C'est un putain de héros, carotte. Ah, t'es difficile de me voir. Voilà, encore une fois. Putain, c'est stylé. Bonjour, je suis Luigi Bullet. Ouais, il y a une météorite. Ouais, c'est cool ça. J'aime les météorites. Bonjour. J'ai jamais vu faire ce mouvement de pied. C'est génial. Je suis fier de lui. Finale. Mais non, mon gars, mais t'as pas le droit. Allez, descends de là, je te jure. Ah non, mais là, c'est la finale de mon let's play. Tu dégages. Mais merci. Ah putain. Il faut que tu dégages. Où tu l'as tué? Vas-y, tu casses pas les couilles, je vais te tuer. Mais c'est abusé ça. Vas-y, vite. Là. Voilà. La finale de ce let's play va se terminer maintenant, d'ailleurs, avec cette action. Et bah, putain, mais vos ingénieurs, en fait, ils meurent jamais. Voilà, donc je suis fier de moi, j'ai fini le boss, j'ai fini le jeu, je suis content. Tu penses qu'on y serait arrivé du premier coup si t'étais pas carotin? Personnellement, non. Pareil. Et voilà, nous sommes les grands vainqueurs. Luigi et carotin. Duo inattendu. Voilà, totalement. Parce que habituellement, on devait le choper pour le buter. Je te donne une vie en plus. Ouais, même si c'était une fleur de glace, mais bah les couilles. Ah oui, c'est celle que t'avais récupérée. Juste avant. Ah ouais, c'est tous les objets. Ah ouais, faut que je récupère en fait. Faut que je récupère aussi les objets, ça te donne des vies en plus. Voilà. Donc toi tu t'absents parce que je t'ai buté juste avant, parce que je suis un énorme malfrat. Et là je vais sauver Peach parce que je l'adore. Ah si, t'es là-bas toi. T'es derrière les grilles là-bas. Où? À droite. Trop stylé. Tu nous observes comme un énorme pervers. Hop là, petit bisou sur la casquette. T'es vu, regarde, je me suis barré. T'es trop jaloux en fait, c'est ça. Je suis allé voir Carotine. C'est ma meuf. Ah ok. Donc voilà, nous avons sauvé le royaume champignon. Oui. En redonnant l'éclat et la beauté du château de la princesse. Voilà. Et la même cinématique de fin que dans Mario Bros. U. Le bateau est défoncé, mon gars. Ouais. Et voilà une grosse tortue qui n'arrive plus à marcher. Ah, c'est genre le mec fait... deux tiers du château et puis il arrive même pas à nous défoncer. C'est pas la taille qui fait la force et le courage, Rodney. La preuve, on est carrément plus petit, on la démonte. Ouais. Ça la morale. Les plus petits nous sont pas les plus faibles. Et voilà, donc on repart tous en junior mobile. On s'en bat les couilles. Et tous ces abrutis de sbires là qui sont comme ça. Et là, t'es le petit tête bleu là. Une petite tête bleue qui se fout de leur gueule. Eh, viens la voir, les gros cons là-bas. Donc, toi, on t'a définitivement muté. Ah non, t'es là-haut. Putain, mais c'est trop stylé ça. Je suis partout. Ouais, je me barre. Oh oh. Et voilà. Ah, donc t'es là finalement. Attends, ne bouge pas, on va voir comment tu danses. Bouge pas. Ok, tu danses pas, toi. Excuse. Donc voilà le générique de fin de notre let's play sur Super Luigi U, mesdames et messieurs, c'est enfin terminé. Merci à tous de l'avoir suivi du début à la fin ou pas. En tout cas, ça fait un énorme plaisir de le tourner avec Yoshi Pro.
Ouais, ça fait je suis complètement d'accord. Un énorme plaisir. Donc merci à tous. Voilà, c'est enfin terminé, bouclé à tout jamais. Merci beaucoup de l'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes, chaîne Yoshi Pro et Matteo Test, qui va bientôt d'ailleurs changer de nom comme vous l'a expliqué. Merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois. Voilà, je ne vous dirai pas jamais assez. Et on se retrouve pour la suite de nos vidéos sur notre chaîne. Donc à plus tout le monde et ciao, bye bye, à la prochaine. Allez, tchuss les gens. Et c'est le petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est pour vous annoncer quelque chose. Donc voilà, ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout, on va vous annoncer une nouvelle émission tenue par Yoshi Pro, qui sera le Mario Maker. Donc ce sera des petites vidéos délire qu'il fera seul sur notre chaîne. Donc voilà, merci à tous. Voilà, et à la prochaine. Allez. Tchuss tout le monde.